J'étais à la recherche de quelqu'un qui aurait pu être le Bob Dylan français. On parlait terriblement dans le métier, dans les milieux de la chanson, de la réussite fantastique de Donovan en Angleterre et de Bob Dylan aux USA. C'était un peu le moment des vagues de révolte aux USA, les jeunes contre la guerre au Vietnam, avec justement des gens comme John Baez ou Bob Dylan aux USA. Et j'étais persuadé que quelqu'un qui pourrait remuer à nouveau l'univers des jeunes avait de grandes chances de marcher en France. Est-ce que trouve un concurrent? Je veux dire, j'en ai eu très peur, effectivement, parce que je voulais pas qu'il se passe la même chose qui s'est passé au début d'Hallyday, c'est-à-dire qu'on s'est mis à lancer n'importe qui chantait n'importe quoi. Et en plus, il y avait quelque chose qui me déplaisait, c'est qu'on avait trop tendance à parler d'Antoine en disant que c'était un canular. Ce n'était pas vrai. Donc, ce que j'ai fait, il y avait une vague beatnik dans Paris. Et il y avait énormément de types qui chantaient, qui faisaient des chansons, qui copiaient d'ailleurs Antoine, qui chantaient à Bal Vietnam, ou qui chantaient Mort à je sais pas qui, ou je sais pas quoi. Et je me suis baladé dans tous ces milieux-là avec des piles de contrats. Et j'ai pris à peu près j'ai pris les trois quarts des contrats dans Paris. Ça faisait combien tout ça? Bah, je sais pas, j'ai dû prendre au moins 25 bons hommes sous contrat pour qu'il n'y ait pas un deuxième Antoine. Et parmi ces 25, il y en a qui ont été sollicités par d'autres maisons? Oui, alors c'était très malheureux. Je me suis tiré des haines farouches parce que chaque fois qu'un représentant d'une maison de disques allait voir un type, il disait « Vous chantez, je suis un tel de telle maison », il disait « Oui, je suis embêté, j'ai déjà un contrat avec Fechner ». Et voilà. De campagne lointaine, revenu décoré, au pied de grands chênes, je me suis reposé. Dylan, c'est un garçon qui fait des chansons de rythme, qui apporte beaucoup de choses nouvelles sur le plan musical, puisqu'il mêle des musiciens hindous, des musiciens arabes, des musiciens, des instruments bizarres à ses enregistrements. Dylan est également une forme de contestation, puisque dans un univers où les textes sont assez acides, sont assez méchants et assez engagés, dans un sens comme dans un autre, lui a choisi d'être engagé, mais dans la poésie, dans un univers joli, de contes et légendes, merveilleux, enfin, où tout le monde est bon et gentil, et où il tombe amoureux sans avoir forcément envie de coucher avec une fille. Je me suis cru libre. Parce qu'un jour j'ai crié pour une mode à bas ou vive, n'importe quoi pour imiter. Je reviens au pays près de longs discours. Je reviens au pays retrouver ton amour. Petite, si jolie, j'ai oublié tout ça. J'ai compris que ma vie n'était plus rien sans toi.
je reviens au pays, retrouver ton âme. Petite fillette, je t'aime bien plus fort qu'autrefois. Veux-tu qu'un seul poème unisse nos deux voix? Petite, si tu dis oui, tu seras ma chanson. Je crois qu'on n'est plus à l'époque où on devient vedette, où on fait une carrière en un an, en deux ans ou en 10 ans, comme on le faisait il y a 10 ans justement. Je crois qu'à l'heure actuelle, on devient vedette en un disque ou 3 disques, et ça met 6 mois. Et si au bout de 6 mois on n'est pas vedette, eh bien ça a de grandes chances de ne plus jamais marcher. Alors, partant de là, je crois qu'il faut travailler différemment, c'est-à-dire que il faut essayer de donner à quelqu'un qui essaie de chanter beaucoup, beaucoup plus de chance qu'on lui en donnait avant. C'est-à-dire, il faut souvent penser à l'habiller, il faut souvent penser à lui donner de l'argent, à le payer pour ses premiers pas sur scène, à le manager complètement et le suivre perpétuellement sans s'occuper uniquement de la partie disque ou de la partie enregistrement. Bon, tu montres les chansons un peu, les musiques. Qu'est-ce que musique ? Il y a la première, alors voilà, ça fait. Plus fort, hein, je Et si en plus, ça parlait de fantômes et d'Écosse, ben, très bien. Parce qu'il grince et tout. On prend deux cornemuses, il faut deux cornemuses, il faut deux hautbois, trois guitares sèches, un quatuor à cordes, une basse à cordes, une basse électrique, une batterie, tambourin. Un jour je partirai avec moi une reine. Je suis bien sûr que l'auteur gentil fantôme te suivra nos pas. De ma ville.
un jour je partirai. Avec moi, une fille j'emmènerai. Je suis bien sûr que de l'autre. Gentil fantôme, te suivra nos pas. Merci, mes gars, à toi. Gare à toi, ma.